Vue du col des Prés, le pic de la Sauge où je dois me rendre aujourd'hui. Je vais chercher un itinéraire. La pointe de la Galope. Et ensuite toute la crête. Le Grand Roc. Le Mont de la Buffe. J'espère faire la traversée un de ces jours en entier. Vue de Puygros, la pointe de la Galope et toute la crête jusqu'au pic de la Sauge. Alors je voulais monter par là. La crête n'a pas l'air difficile à suivre. Sauf que c'est pas sûr qu'il y ait un sentier. Je vais le faire à l'envers. Je vais monter par la Galope d'abord. Départ du hameau d'Arvet, qui est un point de départ très sympathique. Après le tout petit raidillon, tout de suite à droite du panneau, on rejoint vite un large chemin forestier. Un peu plus haut, il y a un embranchement. Alors on peut aller tout droit, ça grimpe un peu plus raide. Mais ça se rejoint plus haut de toute façon. Au détour d'un sentier, une petite cascade bien sympathique. Je pense qu'elle ne doit pas couler tout le temps, il n'y a presque plus d'eau déjà là. On finit par rejoindre le petit sentier qui monte à la pointe de la Galope. Et là, ça devient vraiment de la montagne. Le très joli sentier qui court à travers la hêtraie. Pendant un bon moment, on finit par déboucher dans les alpages. On peut suivre le sentier qui passe dans la combe de la Galope. Ou alors monter carrément sur l'épaule.
pour rejoindre le sommet. Me voilà au sommet. Au fond, on voit un peu Belle Donne, mais il y a des nuages. La Chartreuse avec le granier. Chambéry tout en bas. La Croix du Nivolet en face. Margeria avec ses horribles pistes de ski. Le Colombier et la Dendrosanne. Les bornes au fond. La Dent d'Arcluse avec le Mont Blanc derrière. La Combe de Savoie en bas. Vers le bas, c'est Puy-Gros en bas. Là, c'est la route du col des Prés. Et là, c'est le col des Prés. Ici, c'est les chalets de la Buffe. Quelques vaches qui paissent. Et là-bas, c'est la fameuse crête qui va au mont de la Buffe. Voilà, maintenant je vais redescendre à la petite pointe de la Galope. Puis jusqu'au col de la Galope. Pour essayer d'aller au pic de la Sauge. Et peut-être redescendre sur Entrenant, puisque une brave dame m'a dit qu'on pouvait redescendre sur Entrenant par un petit sentier. On va voir tout ça. Jusqu'au col, c'est une longue croupe herbeuse. Et apparemment, après, ça va se dérouler dans la forêt. Le sentier de crête est très sympathique, facile à suivre et même balisé par des cairns et un balisage jaune. Au bout d'un moment, on arrive au sommet. Et puis là, il n'y a plus qu'à suivre le sentier, ça redescend sur la Tuile et Entrenant, donc je vais essayer. J'ai rencontré des gens qui m'ont indiqué le chemin. Le sentier de descente est superbe aussi. On est côté la Tuile, de ce côté-là. Et la crête est très jolie, et là on arrive en sous-bois, c'est magnifique.
par endroits il y a des petits passages caillouteux, c'est bien sympathique. Bon, la trace est toujours aussi facile à suivre. Ça descend un peu au milieu des rochers cet endroit-là, mais sans aucune difficulté. Et là, sur un petit promontoire, ben, on peut admirer le lac de la Tuile. C'est superbe. Là, c'est le roc de Tormery. Et en suivant toute la crête de la Savoyarde, on arrive à la Roche du Guet, quasiment au-dessus du lac de la Tuile. Et derrière, il y a Montmélian. Décidément, il y a de très jolis passages sur cet itinéraire là. Après, ça va descendre en sous-bois, ça a l'air très beau aussi. On débouche sur une petite clairière. Puis un gros chemin. Gros chemin, pas très agréable. Et on arrive là. Bon, je vais continuer à descendre, on verra bien. Me voilà de retour vers ce merveilleux petit ruisseau là. Je suis tombé sur des gens très sympathiques qui m'ont ramené d'Entrenant et même un peu plus loin, presque la Tuile. Heureusement qu'ils étaient là, sinon j'en avais pour plus d'une heure à pied.